Steven Bachelard. Oui, c'est moi. C'est une première. Ah, c'est la première avec mon petit Sam Zira. C'est une première. Première. Deux. On n'a pas eu l'occasion encore de se voir, de papoter. J'ai pas pu poser de questions. Tu n'as pas pu me répondre. Exactement. Donc, on a 10 minutes pour pouvoir parler. Donc, il va falloir être très efficace. Je compte sur toi. Okay. On commence avec... Allez, je te mets dans le bain direct. Est-ce que tu es en couple depuis 2 ans? Est-ce que c'est vrai que tu as une copine? Est-ce que c'est vrai que tu as menti à la production des Princes de l'amour? Est-ce que tu es un gros menteur, Steven Bachelard? Non, je suis pas un gros menteur, je suis un gros. Ça finit par la même chose que menteur, mais c'est autre chose. Alors non, je ne suis pas en couple depuis 2 ans. C'est juste que ce que les gens ne comprennent pas, et ce que j'ai envie qu'ils comprennent, c'est que quand tu côtoies ton ex et que tu passes des moments avec elle, que tu la revois, que tu passes des moments avec elle, c'est pas parce que tu la revois que de suite tu reconstruis quelque chose avec nous. J'ai le droit de la revoir, on a tous eu nos ex, on les revoit de temps en temps, donc voilà. Mais moi je vais pas me le cacher. Maintenant après de dire que j'ai menti, etc. Je pense que si je serai en couple, je défie une meuf, enfin une fille, accepter tout ce que je fais. Et qu'est-ce que tu réponds par exemple à Marine et Océane, les jumelles qui étaient dans les Princes 5, les princes et les princesses, et qui m'ont raconté que tu avais clairement dit une fois dans la cuisine que toi tu étais là uniquement pour passer du bon temps et que tu savais que tu repartirais avec personne. Alors, ça te décrédibilise. Alors, ça te, je vais arriver à parler, mais oui, très bien. Ça te décrédibilise. Alors, moi je t'explique. Ces deux filles-là, elles aiment la télé. Elles ont bien envie de s'afficher. C'est des groupies de télé. Après, voilà, elles n'acceptent pas la défaite. Je suis venu, j'ai vu, je les ai vaincues. Veni Vidi Vici. Veni Vidi Vici. Maintenant. Ça veut dire quoi, je les ai vaincues? Parce qu'avec toi, je les ai vaincues, que, ça peut être autre chose. Mais parce que, l'une des deux, je l'ai enroulée dans la farine, j'ai réussi à la voir. Océane, j'ai réussi à la voir, j'ai roulé dans la farine. Point. Maintenant. C'est vrai que tu n'as rien fait avec elle? Je l'ai jamais. Je l'ai juste embrassé, c'est tout. Ok. Mais je l'ai jamais kiffé, rien de plus. Ça a été juste un pion sur un jeu d'échecs. Et voilà, point. Maintenant, après qu'elles disent que j'ai dit ça, parce qu'au bout d'un moment, elle me cassait la tête avec ses histoires. Donc moi, pour la remettre sur le droit chemin, je lui ai dit, écoute, moi je suis là, je prends du bon temps, ça passe. Mais tu l'as pris le bon temps? On en parle ou pas? Ah mais j'en ai pris du bon temps. Notamment avec Emilia Cherenti. Oui. Si tu savais ce qu'elles m'ont raconté. Elles m'ont dit que t'avais dit en gros comme Monia. C'est comme les crevettes, je cache la tête, je garde le poids. Voilà. Horrible. J'ai couché avec elle, j'ai mis un sac plastique sur la tête, bien sûr. Non. Non, il s'est passé des trucs avec elle, etc. Mais en fait, c'est une fille trop facile, j'en ai marre des filles trop faciles. J'ai claqué des doigts, elle était toute une. Est-ce que c'est parce que tu as réussi à coucher avec elle que tu lui as dit ciao le lendemain? Ouais, et puis trop provocatrice, trop facile. J'aime bien les filles faciles, mais elle, c'était trop facile, c'est du tout cuit. C'est-à-dire que j'ai acheté un plat, il était déjà cuit, il était déjà préparé. C'est même fait la ça sauce avec. J'ai fait ça, c'est bon. Et je l'avais dans mon lit. Donc c'est trop facile pour moi. Et qu'est-ce que tu vas répondre à toutes les personnes? J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, qui disent que tu es misogyne, que tu parles mal des femmes. Moi, je parle mal des femmes que si elles parlent mal de moi ou si elles se respectent pas. Maintenant, les filles qui se respectent et les filles qui sont bien, je fais que les vanter et que leur dire que du bien. Maintenant, une fille qui se respecte pas ou qui ne me respecte pas, si elle joue dans ma cour, elle va comprendre. Donc pour toi, une prétendante comme Emilia Cherenti ne se respectait pas? Elle ne se respectait pas. Mais tu en as profité de ça? J'en ai profité parce que quand on me met un mot steak frite dans les yeux, c'est fait pour le déguster. Donc moi, elle s'est pointée devant moi, je l'ai dégusté. Bon, après, le goût était pas top, mais j'ai quand même mangé ce qu'il fallait. On va parler de Marouchka brièvement parce qu'il paraît que c'est passé quelque chose avec elle. Alors, c'est marrant parce que tout le monde connaît son nom, mais elle a fait très peu de temps, elle a fait à peine 2 ou 3 jours dans le programme. Et apparemment, elle aurait eu des relations avec autant de garçons. Ouais, c'est vrai qu'elle a enchaîné pas mal d'histoires. C'est clairement une nymphomane, cette fille. C'est une maladie, c'est une nympho, il y a quelque chose. C'est un cafard, cette fille. Mais t'en as profité? J'en ai profité, c'est vrai qu'il n'y a que le train qui lui est pas passé dessus, donc au bout d'un moment, ça fait peur, ça fait très peur. Et c'est marrant comment tu dis ça, parce que je n'arrive pas à savoir si, j'arrive pas à savoir quelle est ta position par rapport aux femmes. Est-ce que tu as l'impression de respecter les femmes en disant ça? Non, mais moi je suis très respectueux. Moi, après, les filles qui vont dire que je ne les respecte pas, c'est des filles avec qui j'ai eu des histoires et que moi-même, dès le départ, je leur ai dit voilà, ce sera juste une histoire de cul, entre guillemets. Mais il y en a toujours un des deux qui va s'accrocher. Moi, j'ai du mal à m'accrocher. Et les filles qui se sont accrochées, à qui j'ai pu donner de nouvelles, c'est là où elles m'ont envoyé chier ou qu'elles commencent à dire ouais, Steven, il les respecte pas et tout. Mais au début, quand j'ai couché avec elles, je n'ai pas mis un couteau sous la gorge. Elle a accepté. Donc c'est qu'elle a senti que je la respectais quand même. Voilà. Il y a eu que Marouchka et Emilia Cherenti dans les Princes? Ouais. Oh bah dis donc, t'es un petit joueur. Mais après, tu nous as habitué à mieux. Mais après, j'ai pas eu énormément de prétendantes. Donc c'était compliqué, tu vois. Et dans Les Anges 10, t'es venu pour quoi, honnêtement? Pour ta motivation, pour de vrai.
Pour de vrai, non, parce que vu que je suis DJ depuis quelques temps, je suis allé pour essayer de, bah, d'ouvrir des portes un peu plus grandes et avoir un petit panel un peu plus important dans mon métier. Donc c'était purement professionnel. Ouais, purement professionnel. Et après maintenant, et puis si à côté on peut se faire un peu plaisir. Tu connaissais Les Anges, toi? Bah ouais, j'avais fait la saison 7, toi. T'avais fait la saison 7, c'était en Australie. Non, Brésil. Brésil. Attends, Brésil, c'était ouais. Où c'était au Brésil, au Brésil, en Argentine. Ouais, il y avait à Brésil, Argentine, ça, ouais. Ouais, je me souviens exactement. T'en gardes un bon souvenir? Très, très bon souvenir. T'avais fait toute l'aventure à l'époque? Toute l'aventure, j'avais fait toute l'aventure, j'avais gardé un très bon souvenir, ça s'est très, très bien passé. Et c'est bien pour ça que je reviens dans Les Anges 10. Parce que ça s'est très bien passé. Voilà. Bon, et mis à part le projet pro, parce que je le sais, tu vas pas pouvoir me dire grand chose à tous les coups. Comment tu l'as vécu cette aventure? Fémininement parlant, alors, est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied? Alors, j'ai très bien vécu l'aventure. Il y a eu des rapprochements. Avec qui? Je peux pas t'en dire plus. Avec toutes? Non, avec une personne. Après, je peux pas te dire. Mais il y a eu un rapprochement. C'est une fille. Ok. Oui, non, mais ça, je me doute. Elle chante? Je peux pas te dire plus. Je peux pas te dire plus. Ok, donc ça veut dire qu'elle est chanteuse. C'est soit Barbara, soit Sarah de The Voice? J'en sais rien. Peut-être pas. C'est Sarah? Je pense pas. C'est vrai que c'est une sorcière, Sarah? Il y a Charles qui m'a dit ça. C'est vrai que c'est une marabout. Mais alors, c'est une marabout. Sens propre ou sens figuré? Les deux. Donc elle jette des sorts? J'ai l'impression que, ouais, j'ai l'impression que le matin, des fois, elle peut jeter un sort et que tu peux passer une journée de merde comme une bonne journée. Et ça s'est bien passé, toi, avec Sarah? Oui, ça s'est très, très bien passé. Ouais. Ok, c'est moi, ton genre de femme? Pas forcément, mais ça peut l'être. Avec le temps, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ok, ouais. Donc c'est pas avec Sarah qu'il s'est passé quelque chose. Alors attends, tu t'es rapproché de qui? Tu trouveras pas, je te dirai pas. Je trouverai pas. Moi, la seule façon de savoir, c'est de regarder les épisodes. Mais bien sûr, de toute façon, qu'on va les regarder les épisodes. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu peux nous promettre pour cette saison? Qu'il y a du grand Steven, comme d'habitude. Que j'arrive et je suis présent d'entrée. Et que je chôme pas. Ok. Je n'ai pas chômé. Ton plus gros clash, tu t'en souviens ou pas? Ouais, mon plus gros clash c'était avec Sarah chanteuse. Ouais. Voilà. Ah, donc je me suis pas trompé quand je t'ai posé la question. Ouais, c'était un gros clash par rapport à une histoire, etc. Et voilà, c'était un des plus gros clashs. Ouais. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir, peut-être mon dernier rendez-vous pro qui a été somptueux. Mmh. Vraiment somptueux, ouais. Le candidat qui est pour toi le plus fake, le plus comédien? Franchement, je m'entends bien avec tout le monde, donc après, peut-être Sarah chanteuse. Ah ouais, pourquoi? Pourtant, elle n'a pas fait de télé-réalité avant. Ouais, mais elle était très à l'écart. Très à l'écart, tu vois. Elle était très. À chaque fois, elle disait qu'elle était différente de nous, tu vois. Très à l'écart. Donc, elle avait son délire, tu vois. Donc, elle était très, très, très différente de nous. C'est la Nelly de l'époque. Ah, ouais, mais tu sais que ouais, c'est vrai en plus. Tu sais que là, tu viens de me faire penser, mais c'est vrai en plus. Non, parce que c'est vrai que dans chaque saison, il y a un vilain petit canard. Je te promets, c'est ça. C'est pas péjoratif, mais. Donc c'est elle qui se met toute la villa à dos, voilà, quoi, quelque ouais, part. Ouais, ouais, ouais. C'est le vilain petit canard, quoi. Ta plus grosse embrouille? Tu m'as parlé de Sarah, mais je suis sûr qu'il y en a une autre. Non, 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 si, c'est avec elle. C'est avec elle. Ouais, parce que c'était une histoire un peu compliquée, donc c'était avec elle. Ok. L'erreur de casting de cette saison 10, selon toi? Alors, je l'aime bien, mais c'est Jonathan. Non, Jordan. Jordan Jipki, qui a fait Secret Story 11. Oui. C'est ça pourquoi? Ouais. Ah oui, qui développe le food truck. Voilà, parce que je pense qu'il est un peu trop l'age. Ça veut dire quoi l'age? Un peu trop léger. Ah. Il est pas, tu sais, il est pas assez rentre dedans. Il est tu trouves pas... qu'il manque de matière? Ouais, il manque ouais, je pense qu'il manque d'expérience un peu. Ok. Ouais, il est très à l'écart. Ok. Ta plus grosse frayeur, si t'en as une? Parce que je sais qu'il va y avoir des épisodes. J'en ai pas eu. J'ai pas eu de grosse T'as frayeur. Pas eu de coup de flip, tu t'es pas auto-mis la pression, t'étais pas angoissé pendant le tournage? Non, vraiment pas. Vraiment, avec l'expérience et tout, vraiment, tu sais, décontracté, quoi. L'ange avec lequel tu t'es le mieux entendu? Toto et Rémi. Tu les connaissais? Non. Jamais rencontré? Jamais rencontré. Ni Thomas ni Rémi? Aucun des deux. Et en fait, d'entrée, feeling et tout, ça s'est très très bien passé. On va parler du casting maintenant brièvement. Je vais te donner des noms, comme ça, du tac au tac. Et pareil, du tac au tac, tu dois me dire en quelques mots ou en quelques phrases, c'est toi qui décides ce que tu penses. Ok. Ton avis, l'avis de Steven, tout simplement. Ok, c'est bon. Madi Burciaga. Sensuel. Hein? Sensuel. Sensuel? Ouais. C'est elle ou pas avec qui s'est passé quelque chose? Non, non, bah non, 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 bah non, parce non, qu'elle s'est rapprochée de Vincent. Ah, ça je sais pas. Ah, bah si, ça on le sait. Ah, Vincent Kejo. Poto. Poto? Ouais, mon vrai frère. Un frère. Il n'y a pas eu d'embrouille? Non, non. Ok. C'est un vrai frère. Sarah Frézou? Le kiff. C'est une la copine? C'est ouais, une pote? Ouais, ouais, je la kiffe bien. Ouais. Jaja? Jaja, belle découverte. Je le connaissais pas et c'est une tueur. Il me fait penser à Eddie.
Eddie qui est un très très bon ami à moi et Jaja me fait penser à lui et voilà. Amélie Nethen, qui est la tenière, hein. Ça s'est passé très bien avec toi. La senior, la vieille. Pourquoi la vieille? Attends, elle a fait à 30 ans, on n'est pas vieux. Non mais, elle a fait, non, mais je parle de la vieille dans les saisons, c'est-à-dire qu'elle a fait toutes les saisons. Ah, au niveau de l'expérience. Ouais, c'est la daronne, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de sa bifurcation en production? Ben, je trouve que c'est très, très bien. Parce qu'apparemment, elle décide d'arrêter la télé-réalité. C'est très, très bien. C'est très, très bien pour elle. Elle a pris une autre voie. En fait, elle était devant la caméra et maintenant, elle est derrière la caméra. Et c'est beau parce que maintenant, elle voit les deux visages. C'est quoi l'avenir pour toi? C'est quoi les projets? T'as envie de quoi? L'avenir pour moi, déjà, c'est de rentrer chez moi, de me reposer. Mais après, de continuer. Et pourquoi pas, continuer avec Energy 12. Je sais pas moi s'ils ont des vacances des anges qui vont reprendre, enfin j'en sais rien. Mais si je peux continuer, avec grand plaisir. Montre-moi tes doigts là, fais voir. Là, c'est quoi ça? Ça, c'est du stress. Vas-y, mon gars, j'allais te le dire, montre-le. Ça, parce que moi, ça, c'est parce que c'est de la nervosité. Ouais, je te vois depuis tout à l'heure. Je suis quelqu'un de très nerveux, moi. Faire comme ça, pourquoi ouais. T'es stressé? Qu'est-ce qui t'angoisse en ce moment? Je sais pas, rien. Honnêtement. C'est juste que. Y a rien qui m'angoisse, c'est juste que je suis quelqu'un de très nerveux, très, tu vois, très excité. Ouais. Et il faut toujours que je fasse un truc, tu vois. Et t'as besoin d'extérioriser ton stress, ouais. Et c'était plus. Bah oui, parce qu'il y en a, ils fument dehors, mais moi, je fume pas. Donc c'est ça qui prend, mais je préfère que ça qui prenne que me fumer. Ça c'est une partie qu'on connaît pas de toi, tu parles pas de ton stress, tu parles pas de ce qui te, de tes doutes, de tes craintes. J'ai tous les jours des doutes, toujours des craintes, mais après c'est ce qui me fait l'adrénaline et qui me fait réussir aujourd'hui. Quelle est la chose qui te fait le plus peur au monde? De rater ma vie, de pas réussir dans ce que j'ai envie. Et t'as envie de quoi? J'ai envie d'être riche. Ouais. Non, j'ai envie de réussir. Non, mais t'as le droit. Non, mais j'ai envie de réussir et de vivre pleinement ma vie et de me lever le matin et pas me dire merde, tu vois, j'ai ça comme complication, etc. C'est-à-dire que me lever le matin et me dire je vais faire ce que j'ai envie de faire en fait. Tu vois. Et la télé-réalité, l'univers de la télé-réalité, tu penses que c'est ce que t'as vraiment envie de faire? Est-ce que c'est ce que tu veux continuer de développer? Moi, j'ai envie de continuer, j'ai envie d'essayer de développer et pourquoi pas avoir une branche là-dedans, tu vois. Mais après, le truc, c'est que. Mais il faut des fois se raisonner et se dire que tu peux pas faire toute ta vie là-dedans, qu'un jour ou l'autre ça se finira peut-être, ouais. Et qu'il faudra basculer sur autre chose. Donc après, et c'est compatible ou pas avec ta vie de papa? Ouais, c'est compatible, bien sûr que c'est compatible. Il a quel âge ton bout de chou? 3 ans. Ah oui, quand même, ouais. Ça commence à faire, hein, ça passe mais vite. Ouais, ouais, ça passe vite, mais après, moi je la fais, elle me regarde pas, ouais. Parce que pour l'instant, à 3 ans. À 3 ans, elle comprend pas. Ouais, voilà, donc. Mais si je dois lui expliquer plus tard, je lui expliquerai, il n'y a aucun souci. Si elle tombe sur des articles, si elle tombe sur des vidéos ou des ITV, tu sauras comment réagir, tu sauras mais, quoi nous dire. Si elle te dit papa, tu sais, papa, pourquoi tu parlais des femmes comme ça? Voilà, mais tu sais, quand elle va me regarder, même si je dis des bêtises ou des conneries, elle me regardera avec des étoiles dans les yeux et c'est le principal. Ok, et. Steven célibataire, Steven amoureux, Steven a rencontré quelqu'un. Steven célibataire. Steven célibataire pur et ouais, dur. Célibataire pur et dur. T'as personne depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Ouais. Bah depuis un an, ouais, un an. Un an cet été. Et pourquoi t'arrives pas à trouver l'amour? Je sais pas, parce que à chaque fois que je croise des filles, elles disent Steven c'est un mec pour une nuit et pas pour la vie. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que c'est pas la matière que tu leur donnes? Non, pourtant je suis un mec bien, je suis un mec bien. Mais ça j'en doute pas, Pas. Mais je sais pas, peut-être que... T'as quel âge là? 28. 28, t'as envie de te poser, t'as envie de quoi pour les années à venir? J'aimerais trouver la perle rare. Donc la vie de famille avec la maison, la femme, j'en ai envie. Le bébé, un nouveau bébé peut-être à mettre en route et le j'en chien, ai envie, c'est j'en quelque ai chose envie. Qui te plairait? Ça me plairait de ouf, de ouf. Et ta maman Corinne, bon je passe du coq à l'âne, ouais, elle va bien ou pas? Elle va très très bien. Parce que je me souviens d'elle dans Qui veut épouser mon fils, après les je me anges. Souviens d'elle dans Les anges également. Si ouais elle va très très bien, bon maintenant elle se met plus de mes histoires amoureuses parce que plus bon, de télé-réalité pour ta mère? Bah si on peut lui proposer pourquoi pas, ça la dérangerait pas. Maintenant après tout dépend ce que c'est, mais voilà après maintenant question à ma situation amoureuse avec elle, enfin par rapport à elle et tout, elle s'en mêle plus. Parce que là, elle a baissé les bras. Elle a réussi un peu à te laisser du lest. Ouais, là, elle a dit maintenant. À couper les ponts. Fais ce que t'as à faire, je m'en mêle plus parce que là, elle en a un peu marre. Mais non, ça se passe très très bien. Tu sais ce qui me ferait plaisir? Dis-moi. De recevoir ta maman avec toi. C'est vrai? Je te jure sur ma vie. Prendre des nouvelles de ta maman parce que je l'avais kiffé dans Qui veut. Ouais, mais si y a une proposition, je pense qu'elle réfléchira deux fois avant de dire non. Eh ben merci Steven. Merci à toi. Nous on se retrouve très vite avec une nouvelle personnalité des Anges 10 pour toujours des confidences en toute intimité. À bientôt.